fouiller, ne laisser jamais une place où la main ne passe et repasse. Fort du bilan du premier mandat de Patrice Talon, Fasika et sa troupe, acquis à sa cause, œuvrent sans relâche pour expliquer aux populations la pertinence et l'opportunité de le laisser conduire les destinées du pays pendant les 5 prochaines années. Le président Patrice Talon, c'est le candidat de la jeunesse. Le président Patrice Talon, c'est le choix du renouvellement de la classe politique. Le président Patrice Talon, c'est la renaissance du Bénin. Pour nous, au soir du 11 avril, le 11 avril déjà, il faut qu'on sorte massivement pour faire le chaos, surtout la jeunesse. Je m'adresse à la jeunesse, de ne pas avoir peur que notre président mérite mieux. Les deux dernières élections, avec les faibles taux de participation, ne nous honorent pas. Ce dimanche, après une caravane dans quelques rues de Cotonou, l'imam Chakiro Amoussou et ses lieutenants étaient face aux électeurs d'Agla. Vous devez sortir obligatoirement pour aller voter très tôt le matin. Miyao Ito, 11 avril là. Conscient de l'enjeu capital de cette élection pour la jeunesse, Fasika continue de s'investir et promet au duo gagnant une victoire sans compromis.